Ma tâche est encore plus difficile que la vôtre, ils ont encore plus envie de partir. Mais vous me l'avez simplifié, Monsieur Larkin, en faisant tout mon travail qui consistait à résumer la qualité des échanges. Et donc, merci beaucoup. Je voudrais simplement, je ne vais pas résumer ce que vous avez dit, je voudrais simplement noter 3-4 choses qui m'apparaissent extrêmement importantes des échanges qu'il y a pu avoir et qui peuvent nous guider un peu dans comment faire en sorte, de la place que j'ai, moi, de piloter un plan national de soins palliatifs, comment faire en sorte de convaincre les pouvoirs publics du bien fondé de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire comment arriver à convaincre les pouvoirs publics de développer une politique de soins palliatifs à la fois dans notre pays, mais aussi d'investir ailleurs. Il y a 3 choses que j'ai retenues particulièrement de la journée, et 3 éléments extrêmement importants. Tout d'abord, le premier point majeur, c'est l'importance des échanges, bien au-delà de la question des langues. On arrive toujours à se comprendre. Et aller voir ce qui se fait à côté nous enrichit nous-mêmes et peut nous permettre non pas de copier, mais de s'inspirer, d'écouter les difficultés et probablement, je dis toujours, d'innover dans les erreurs. Si on va voir à côté, on va voir ce qui n'a pas marché, on va éviter de refaire ce qui n'a pas marché et on est suffisamment bon pour innover dans les erreurs, pour garder nos propres erreurs et ensuite pouvoir faire école. Donc c'est la première chose que je retiens, c'est l'importance des échanges, l'importance du partage d'expériences. La deuxième chose, c'est l'importance de la rigueur. On nous attend dans les soins palliatifs au niveau de la rigueur. Parfois, breton que je suis, on aurait tendance à croire que les soins palliatifs, ça se fait au doigt mouillé. Alors le doigt mouillé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on ne sait pas d'où vient le vent, on fait ça et on dit, il vient du nord, il vient de l'ouest, il vient du sud. Voilà. Et parfois, la politique des soins palliatifs ou la démarche que l'on peut avoir, y compris dans la recherche, n'est probablement pas assez rigoureuse. Le dernier point qui a traversé tous nos échanges et que vous avez parfaitement soulevé, c'est l'importance de la place des patients. Tout par deux, pour eux. Et construire nos réflexions à partir de là, vous l'avez redit, est essentiel. On est pour les patients, donc on va partir d'eux. J'ai beaucoup apprécié, madame, comment, au sein de la démarche de recherche que vous développez, vous inscrivez les patients dans pour eux, qu'est-ce qu'il est important de chercher. Et je trouve que c'est un paradigme essentiel de dire que la recherche, elle est pour eux. Et partir de leurs idées nous apporterait probablement des choses innovantes. Alors, à partir de ces éléments, comment faire en sorte d'arriver à construire une politique de santé ou arriver à persuader nos politiques qu'il faut construire une politique de santé, une politique de soins palliatifs. J'arrive à la fin du plan 2015-2018, alors on pourrait dire qu'on a avancé sur l'information, sur la formation, sur les soins de proximité, sur les travaux régionaux, sur l'engagement des régions, mais la question qu'on me pose, qu'on m'a posée au moins 5-6 fois aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir un prochain plan? Je ne vous donne pas la réponse, je ne peux pas vous la donner. Par contre, je peux simplement vous dire que toute ma démarche est d'essayer d'inciter les pouvoirs publics à poursuivre les efforts. Et juste après le colloque, je vais continuer en ce sens. Et comment on peut le faire? En vous écoutant, je me dis que la première chose, c'est de partir des malades. On part d'eux. On part des questions qu'on rencontre, on part des problèmes qu'ils ont. La deuxième, ça va être de le faire avec rigueur. Un côté scientifique, un côté rigoureux, ce n'est pas obscène d'être rigoureux et de parfaitement décrire ce qui arrive. Après, je proposerais volontiers d'être transgressif et inventif. Ne pas se dire qu'on ne va pas y arriver, ne pas se dire qu'on ne va pas imaginer, ne pas se dire qu'on ne va pas essayer. Et parfois, on pourrait avoir tendance à vouloir fermer les idées avant même d'avoir ouvert la porte. Donc, soyons transgressifs et je le dis de temps en temps face aux personnes que je peux rencontrer. Oui, les lois sont là pour être transgressées. Oui, les règlements sont là pour être transgressés, et y compris devant des personnes qui viennent certifier les établissements de santé. Ça ne me pose pas de difficultés. Mais une fois que l'on est parti des patients, une fois qu'on a essayé de décrire avec rigueur ce qui se passe, qu'on a essayé d'être inventif en acceptant une part de transgression, il va falloir faire des propositions concrètes. On ne peut pas se présenter face à une personne publique ou politique sans proposition. Parce que eux, autrement, comme vous dites, ils vont faire les leurs. Et je ne suis pas sûr qu'on s'y retrouve. Après, une fois tout ça, il faut essayer d'aller les convaincre. Alors pour les convaincre, il y a 2 possibilités. Soit on prend des traitements antidépresseurs en permanence, soit on termine alcoolique, soit on part du point de vue qu'il ne faut jamais désespérer. Et que les messages, il faut les répéter 1 fois, 5 fois, 10 fois, mais qu'on ne parle jamais dans le vide.
C'est peut-être la différence entre être entendu ou être écouté. De temps en temps, les adolescents nous disent « tu m'écoutes pas ». Tu m'écoutes pas parce que j'ai pas fait immédiatement ce que tu m'as dit. Mais non, à force de passer les messages, je crois que ça finit par rentrer. Peut-être qu'on ne sera plus là le jour où l'idée va émerger. Et j'ai eu récemment un aperçu sur une mesure très technique qui est la consultation longue en médecine générale. On a évoqué depuis plusieurs mois le fait qu'il faudrait modifier la tarification des consultes longues. Et ça a été fait. Oh, sans moi, mais ça a été fait. Donc je crois qu'il ne faut jamais désespérer, parce que je suis intimement convaincu que les personnes que l'on rencontre, elles ont ce sujet au cœur aussi. Alors elles sont débordées par plein d'autres choses. Ce matin, je suis allé voir un conseiller. Alors je lui dis, c'est à Matignon. Aujourd'hui, c'est agité, Matignon. Donc j'ai bien perçu que je n'étais pas sa préoccupation essentielle. Néanmoins, il m'a offert un café, du chocolat, c'était très bien, et on est resté 40 minutes. Alors je pourrais dire, ça n'a servi à rien, probablement qu'il n'a pas eu la plus grande attention qu'il pouvait, mais au moins pendant ces 30 minutes, il a écouté ce que j'ai pu lui dire d'une prochaine politique possible du développement des soins palliatifs. Parce que, eux comme nous, je pense, sommes sensibles à l'essentiel, et vous l'avez parfaitement décrit, qu'est la personne humaine, quelle que soit sa situation, et en particulier lorsqu'elle est dans une situation de vulnérabilité et de détresse. Et souvent, je pense que c'est gagné lorsqu'ils vont commencer à nous raconter ces difficultés, ces failles qu'ils traversent aussi, et lorsque l'on va pouvoir rentrer non pas dans une discussion très théorique sur un plan, mais lorsqu'on va enfin discuter de l'essentiel, de l'homme, de l'humain, de sa difficulté, de sa vulnérabilité, et comment nous, de notre place, on essaye de faire quelque chose comme chercheur, comme soignant, comme infirmier, comme médecin. Et ensuite, on leur demande comment, eux, de leur place, ils peuvent également y contribuer. Et j'ose espérer qu'à partir de là, on arrive, et c'est aussi l'objectif des sociétés savantes, comme de l'IAPC, comme de tout le monde, on arrive à construire peu à peu des politiques de santé publique qui viennent soutenir les initiatives individuelles qui ont émergé, en particulier, on sait combien le Royaume-Uni a été innovant dans ces questions, et donc ils vont venir soutenir les expériences que l'on a mené. J'ai l'habitude de dire que les soins palliatifs institutionnellement en France, c'est du 21e siècle. Mais les initiatives personnelles qui ont permis qu'aujourd'hui on soit au quatrième plan et datent des années 60, 70, 80. Il n'y a pas de coup d'épée dans l'eau. Tout permet un jour d'avancer. Alors je voudrais simplement, pour finir, qu'on ose aussi se féliciter des progrès qui ont été réalisés. Ils sont considérables. Mais je voudrais également que nous ayons une confiance collective dans la façon dont nous allons relever les défis à venir. Ils sont nombreux, ils sont locaux, ils sont nationaux, ils sont européens, ils sont aussi mondiaux. Et je suis sûr que lorsqu'on se reverra, parce qu'on se voit régulièrement dans 5 ou 10 ans, on pourra faire ensemble un constat un peu réjouissant des progrès que nous aurons engagés avec l'engagement de chacun. Donc voilà, c'était simplement ce message que je voulais vous porter en entendant la conclusion, en partie Monsieur Larkin, de ce que vous avez fait du colloque, qui ont contribué sûrement à donner des idées à chacun et à repartir avec un peu plus de sourire dans le métro et dans les trains qui ne sont pas en grève aujourd'hui.